Ce que j'ai pensé la première fois lorsque j'ai vu ce premier maillot, je l'ai trouvé beau déjà. Et ensuite, lorsque je l'ai mis, je l'ai trouvé, voilà, je trouvais qu'il m'allait bien. On est dans une phase de construction et les choses ne vont pas venir comme ça tout de suite d'un coup. Mais c'est vrai qu'avec le temps, il va falloir imposer ce style de jeu-là. L'état d'esprit de l'équipe de France en ce moment, est, je dirais qu'il est un état d'esprit conquérant. On a tous envie de réécrire l'histoire. Et je pense que ça s'est vu sur les derniers matchs qu'on a fait. On se connaissait déjà avant, que ce soit en club ou en équipe de France de jeunes. Donc il y a vraiment une très bonne atmosphère qui règne au sein de l'équipe de France. Ce qui me procure la plus grande émotion, je dirais que ce serait l'entrée au château. Parce qu'en fait, pour vous expliquer un peu, moi j'étais à l'INF Clairefontaine. C'est-à-dire que j'étais au centre de préformation là-bas. Quand j'étais petit, en fait, on rêvait du château, en fait. Donc la première fois, dès que j'ai mis mes pieds dans le château, c'était... Et c'est vrai que quand j'y retourne tout le temps, c'est vrai que c'est un moment particulier. Les fans maintenant attendent beaucoup de nous, attendent beaucoup des joueurs. C'est vrai que maintenant ils ont à cœur à ce que l'équipe de France ait un nouveau visage. Et nous, en tant que joueurs, on en a conscience et on fera tout pour pouvoir les rendre heureux.